Philippe Gilbert, le Covid est de retour, ça c'est clair. Ouais, après c'est comme ça, c'est pas très grave, mais c'est ennuyant. Mais ça fait 2 jours qu'il y a beaucoup de coureurs qui ne prennent pas le départ, mais voilà, c'est comme ça. Tu penses que le Tour de Suisse peut continuer jusqu'à Liechtenstein? Bon, je ne connais pas les règlements, je ne sais pas s'il y a un règlement pour ça, s'il y a un pourcentage de maladies. Dans le peloton, par exemple, est-ce qu'il y a un arrêt de la course? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas de raison d'arrêter. Si les coureurs ne sont pas mis en danger, il ne faut pas arrêter. Tu penses que beaucoup d'équipes s'arrêtent aussi pour le Tour de France? Honnêtement, je ne sais pas. Nous, on n'a pas de problème. Je touche du bois pour le moment. Mais bon, je ne connais pas les protocoles des autres équipes, donc c'est difficile de commenter. Aujourd'hui, le haut de montagne, qu'est-ce que tu penses? Ouais, aujourd'hui, c'est vraiment très dur. Nous, on est bien parce qu'on a Krohn qui est encore bien placé, donc il est motivé. Et je pense que la première montée à 2400 mètres d'altitude, ça va rouler fort, mais ça ne va pas non plus trop casser, j'espère. Mais la dernière montée, ça va vraiment faire la différence. Et là, il va faire aussi très chaud, donc ça va être après... Toutes les journées difficiles qu'on a eues, ça va être vraiment compliqué pour les leaders. Merci Philippe.